Ah, c'est un truc incroyable, Papy Miv. Je suis dit, moi, le meilleur exemple de backseat que j'ai eu, c'est sur Voltarius, excusez-moi. Quatrième joueur mondial de TFT, quand je le suivais. Premier joueur européen, t'as les mecs dans son chat qui essaient le backseat. Je veux dire. À partir de ce moment-là, tu vois. Tout est. Bon. Et donc là, regardez, suite de la quête de Yuria, je rappelle que c'est là. Hop là. Vous faire invoquer pour aider Yura, chasseur de doigts sanglants. Ça rend fou. Enfin, c'est dingue. T'imagines, t'es le meilleur joueur dans toute l'Europe d'un jeu et on essaie quand même de te backseat. Faut être marteau, quoi. Faut être ravagé en fait. Ces gens-là sont ravagés. Terrasser l'assassin de Corbe Mort. Bon, on le souille, hein. On protège notre bro Yura. Oh, eh, c'est violent. Hein. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ah oui, non mais c'est. C'est un délire, cendre les gars à passe des runes. Oh, that bloody finger was a thorn in my. Here's a token of that. Pierre de Forche, je meurs d'envie de. Aïe, t'es revoir. Eleonora, le doigt sanglant pourpre. Yes. Je suis la piste d'Eleonora depuis un bon moment. Elle est la plus redoutable des doigts sanglants, nous. Et le rat meurt une homme chevaleresse sans. Ah. Il dit de fuir sur la voie. Ok. Et c'est quoi la quatrième partie de la quête, rappelle ou pas? Donc là, c'est la troisième rencontre avec lui. C'est en Khalid, là, la prochaine fois, ou c'est en. Ou c'est Altus, hein, je check un peu. Greyjar. Blade. Ah oui, Witch Hunter Jiren, la première fois que tu le vois. Ah, c'est vrai que je pourrais faire la quête de Jiren et tuer Selene. Bah, faut que j'aille au. Ouais, au château. Oui, on peut. Oui, alors qu'on a déjà tué Rennala, quoi. Je cherche, moi, Yura. T'es sûr que c'est à Khalid? J'ai pas l'impression, moi. C'est pas en Khalid, là, je le vois pas, donc ça va être à Altus. Faut que je trouve la quatrième localisation de Yura. Non. Sorcier Azur. Patches. Et toi, il est toujours dans la lave d'ailleurs, ton Alexander? Putain, il est où Yura? Sainte là-bas, Gold Mask. Putain, je le vois pas, c'est un délire. Ouais. Bah écoute, je le trouve pas. Hein. Putain, je vais checker, je vais aller voir sur le net sa suite de quête. Bloody Finger, Yuria. Alors, voyons voir la quatrième localisation. Bonne nuit, Papy Miv, repose-toi bien. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé, j'espère avoir pu t'aider en tout cas pour mieux comprendre le jeu. Yura. Yura will not die, player can return again. Runar, qui non c'est pas ça, attends. Murkwhiter Cave, Bloody Finger, si ok. Raya Lucaria, blablabla. Yura may be found at the Second Church of Marika, on the Plateau d'Altus. Second Church of Marika. Ah ouais putain c'est là. First location. Ok. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va aller en. Bah, t'as dû. Oui, t'as dû la souiller. Hein, oui. C'est con quand même, j'ai oublié d'ajouter. une sorte. Oh là là. Une sorte de. Couteau de boucher vers grand. Mais long. Genre un peu lors l'épée de Claude dans FF7. Ah, il y a un arbre monde devant moi, le chat. Vas-y, on va essayer au katana. On va le faire full katana pour voir. J'en profite, hein, il y a un arbre monde juste devant, donc on peut en faire. Hein. Oh, les dégâts que je lui fais, bordel. Attends,
sur comme ça, tu vois, par exemple. Ah, putain. Oh, le relou. Mais non, mais t'es pas sérieux, putain. Il me casse les couilles. Non, mais on swipe, mon pote, t'inquiète. Ah, ma passion, papy, ma passion. Ma grande passion. Non, merci d'avance. Ouais, lui, il file rien. Yes. Bah, de toute façon, on est déjà fou, on est et tout, quoi. C'est la compétence L2, c'est débile. C'est... une double lame sanglante en fait, mais qui font des dégâts insane et qui font proc quasiment. C'est et ça coûte que dalle en mana quoi. Enfin c'est une infamie. C'est une infamie. Hein. Ah oui, c'est ça qu'on voulait regarder, Dectus. Alors est-ce que j'ai raison ou est-ce que t'as raison? Bon, moi je sais que j'ai raison. Alors franchement, écoute, si t'as raison, je paye la. Si est-ce que tu veux parier le prochain Liberite? C'est vrai que t'as, oui, t'as moins 500. Effectivement. Bon. On va parier pour l'honneur pour une fois. Dectus. Médaillon. Left and right. Alors, la première partie, on le chope. Oui. Où ça? Forfaro. Oui, bah, ok, non, enfin, c'est la deuxième partie, d'accord. Donc, l'autre partie, on le chope à. Ah, Fort Height. Ouais. Alors, va falloir que j'aille. Bah ouais, écoute. Dans un coffre, Fort Height. Que le même principe que Farfaro, en fait, en haut d'une échelle. On va continuer la route, écoutez. La question, c'est est-ce que je me fais la tour divine de Khalid ou pas, vite faire. J'ai envie de tester Luffy, quand même. Mais les jumps me cassent les couilles d'avance. Mais bon, maintenant que je sais par où passer, ça me casse quand même moins les couilles. Donc, on va aller faire la tour des villes. Ce sera fait. On va tester Luffy. On va voir un peu ce qu'il vaut Jean-Michel. Jean-Michel Luffy. Est-ce que je suis si puissant que ça? Peut-être pas. On verra ça. Franchement, je pense que ce jeu, je pourrais y jouer en fait un infini. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment un délire. Alors, tour divine de Khalid, Supporty. Ouais, ce qui est important par contre que je shot bien, tu vois, dans ce new game plus 1, c'est toutes les pierres dragon ancien. Si j'ai d'autres armes, c'est la bête en plus 10. Ça, faudra pas que je les rate. Petite tour divine. Sachant que le boss est plutôt endgame. Hein. 94 000 âmes, c'est un des boss. Ouais, il est vraiment. Il est late. Hein. Il est même post-plateau d'Altus, ce boss-là, en fait. Hein. De toute façon, c'est tout le nord de Khalid. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment à faire après le plateau d'Altus. Ouais. Ils auraient. Ouais, il est fort, hein. Mal. Oui, mais même quand je l'ai. Ah non, mais même quand je l'ai tué, c'était la seule différence, c'est que je vous ai plus one shot. Pour moi, il est au même niveau à peu près, c'est pas choquant. Il faut aller voir les points de vie, je regarderai sur le net. Ça pourrait être intéressant de mater les points de vie. Comparer un peu. Après, le commandant, il a deux potes. Oh putain.
par là, non, je crois. Ouais, c'est ça. Merci la mémoire. Ok, on est dans la tour des villes. Bon, c'est rapide. Le descendre, ça va être plutôt rapide. Oh, j'ai hâte de voir ce que fait le mec blanc. Je pense que je vais les souiller sale, mais bon. Oh, un loot. Rune de l'humain. Bon, merci. Ah oui, tu veux. Mais pourquoi tu vas pas vite faire OSP? Ah. C'est quoi que tu veux quoi en ésotérisme là? Oh, au pire en attendant, mais un truc qui te montre l'ésotérisme. Ah, c'est qu'il y a que Marika. Ouais, c'est Fra 5. Mais il y a que Marika, tu prends la dégâts en plus quoi. T'aimes pas ça. Il fait 5 6 Ah. Ah, le casque d'alien là 8, le casque d'alien il fait 8 d'ésotérisme. Je laisse ça non. Il faudrait voir attends combien ça descend. Ah moi pour le. Ah non c'est pas celui-là, attends, il est où? C'est lequel? Ah oui. Ah non, je perds que 6 de dégâts moi. Ouais mais donc si je perds 6 de dégâts, ça veut dire que ce qui m'apporte, en... il me nerf au final. Parce que comme je scale l'ésotérisme. Oh, ils sont tankés eux, ouais. Tu sais les deux rouges. Et je fais que, et je lance que les trucs. C'est génial. Hop. Oh la bonne tour divine de Kali, quoi, quel enfer. Oh. Ah ouais. Oh le noob. Et donc là, tu descends ici. Voilà. Putain, alors là, faut pas se foirer ce saut là. Putain, quel enfer. Putain, quel enfer ce jeu. Et bon. Putain, mon attaque elle me fait avancer. Ah, j'ai oublié. Ah, je suis quasiment arrivé. Il y a un mob à buter. Mais le L2 me fait avancer et je suis pas habitué. Putain. Ah, non, je suis à l'intérieur là. Je suis à l'intérieur. Putain, j'ai un pot vers la porte. Ah non, c'est après un temps. Ah, fais chier. Quel enfer. Ah putain, je vais perdre 160 000 là. Je vais les perdre, je sens. Hein. Je fais des dégâts, mais c'est... Ah mais maintenant, attends, je peux quand même sauter une... Ah non, il se répare le truc à chaque fois, d'accord. On refait le jump. Putain, quel enfer, quel enfer. Ce mob, il est un peu relou à choper à distance, en vrai. Putain, ce saut-là qui me fait le plus peur, en vrai. Et... C'est pas perdu, putain! Comment je pourrais le faire ce meuble, le chat? On va aller le chercher direct. On va pas lui laisser le temps de. Voilà, je pense que le secret c'était juste de pas réfléchir. Voilà. Le secret c'est de pas réfléchir. Tout bêtement. Tu te prends pas la tête. Je me pose trop de questions, je pense. On va se faire le gros con. On va d'abord ouvrir la porte au cas où.
aller ouvrir la porte. Ça sera fait. Ça, c'est un bon raccourci. Au cas où, hein, une erreur et... Un saut raté est vite arrivé, hein. Voilà. Pas grand chose et on est tranquille. Bon Jean-Michel, tu veux venir voir la fille Pouki après? Costaud hein, le mec meuble blanc hein. Ou pas. M'a buté. Saignement à proc, hein, mais il m'a buté. Je gride comme. Je gride comme le dernier des connards, hein, soyons clairs. J'ai 170 000 âmes dans la nature. Ça commence à faire pas mal. C'est un niveau quand même. Hein. Pour moi, je crois que c'est un niveau. Je vérifie. Ouais, c'est un niveau. C'est un niveau. Là, si je meurs sur les deux meubles rouges, tu sais, avant la porte que j'ai ouverte, je perds les 170 000 âmes. Attendez, est-ce que j'ai pas un truc stylé à faire? Si, je peux faire ça en fait. Voilà, c'est bon, ils peuvent pas me tuer. Puissance du dragon, t'inquiète, pas de soucis. Hop. Le bon dragon qui carry. Oh, il y a une tache de sang du groupe en bas. Quelqu'un serait mort récemment ici. Alors, rends-moi mes âmes, toi. On va pas lui faire ça. Ça, ça descend. Comment on descend plus encore après? Eh, salut! Enfin, l'attaque successive, c'est fort quand même. Hein. En fait, c'est compliqué, il faudrait que je calcule. Ça s'additionne. Attends, c'est par où déjà? Je suis gogol ou quoi? Je me rappelle plus après comment on descend. Attends, j'arrive plus à trouver comment on descend. Ah oui, oui, non, c'est clairement pour du... Là, bah au katana, c'est parfait. C'est où après, Pouki? Ah non, c'est l'autre côté. Si, c'est ainsi, c'est là pourtant. Je me rappelle plus si je suis à la... Bah ouais, attends. Je me sens trop con. Après la cage du mec blanc qui te fait descendre. Je sais pas. Non, c'est... Et la deuxième, elle va où? Je la prends où, attends. Faut que je remonte en fait peut-être. Ah mais faut que je... C'est bon, je crois que je viens de me rappeler. Alors. La porte, ouais, j'ai ouvert la porte. Mais le mec blanc, je l'ai buté pour le coup là. Ah oui, 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 ça doit être à gauche. Ça doit être ça, ouais, attends. Tac. Ouais, 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 je le vois, là, je le vois, je le vois, je vois le truc qui casse. Lui il casse pas, ça va être celui-là à gauche. Oui, oui, c'est celui-là. Qui arrive tout en bas. Yes, c'est là. Hop. Et voilà. Wouhou! Et là, vous voyez, tu te dis, mais tu vas mourir. Voilà, et eh ben non. Je sais pas pourquoi je meurs pas, honnêtement. Le jeu décide que tu meurs pas quand tu sautes comme ça. Mystère de la gravité. Les mystères de la gravité. La gravité made in Elden Ring. Hein. On va pouvoir prendre encore un petit niveau d'ésotérisme. Bah, road to, écoute. Hein. Donc, par contre. Ah, manette sans fil déconnectée. Merde. Oh, bah, ça tombe bien que ça tombe maintenant. Ça aurait été marrant sur le film. Alors.
Montée de niveau. Donc j'ai bien 30 en vigueur, mais j'ai que 994 points de vie, je comprends pas avec 30 en vigueur. Ah non, j'étais monté à 40, c'est vrai! Bof, hein, c'est pas tant que ça. Hein. Bon, je commençais à les monter un peu les points de vie. Donc là, attends, j'ai avec puissance d'attaque compétence. Bon, c'est parti. On y va, le chat. Direction Luffy. Attends, je vais me faire le mob avant. Comme ça, je pourrai invoquer tranquille mon PNJ, moi. J'invoque qui? Bon, on va invoquer Amon. Hein. On va confronter de la. C'est stylé, je vais confronter en plus un prêtre noir contre un prêtre noir. Ah ouais? J'sais... Ah si, peut-être, je sais plus. Non, je vais tout lui faire, Luffy. Hein. Je vais le putréfier déjà, Luffy, ce bâtard. Monde. Alors, déjà, on le putréfie. Hein. Et bah il m'a tué. Ah parce qu'après j'ai envie de faire Gintana, mais j'ai envie de tout le mettre. Je sais pas. Si je l'ai putréfié, c'est bon. Pardon? Il me touche. Et j'ai pas de truc d'augmentation de dégâts subis. Hein. Il est 5h, Pookie. Ouais. Hop là. Alors, on y retourne. Hop. Voilà. Donc. Ok. Il est putréfié, je crois. Hein. Attends, on va le geler, hein. T'as raison. Je crois que ça a raté. Ah, il est pas gelé. Hein. Il est toujours plus très fier. Là, il est gelé aussi. Ouais, il est gelé. Et maintenant. Maintenant, je suis mort. C'est bon. Amon, il prend lourd quand même. Hein. Oh putain. Alors combien d'âmes il file maintenant? Ah! Ah bah oui, je passe de 94 000 à 188 000 x 2. C'est du x 2. C'est x... Bah oui, encore heureux, ça augmente, sinon ça va vraiment, ça serait nul. Ah, x 2 c'est énervé, ça je suis d'accord, mais... Et ouais, déjà 5 heures. L'arme légendaire, je l'avais déjà. Faudrait que je check un peu ouais, les armes que j'ai ratées. Ça gâche nos game plus. Tout ce qui est pas lié aux quêtes, parce que je pourrais faire les quêtes dans celui-là, je le ferai pour le coup. Oui, ça te ramène ici. Ah oui, d'accord, ça t'en fait sortir. Celle du... Laquelle? Ah oui. Non, tu la chopes quoi qu'il arrive sur le... Ouais. Eh oui, tu la chopes quoi qu'il arrive. Attends, on va passer à 70 ésotéries, ça fait plus joli. Hein. Ah mais ça augmente la... L'ésotérie, ça augmente la découverte. Mais c'est trop bien pour moi. Bah non mais c'est juste cool parce que je vais avoir plein de loot quoi. Juste en tapant comme un taré, je vais avoir plein de loot en fait, c'est... Ok. Défense contre le sacré, la vitalité et ça. Ouais. Effectivement. Pleine man m'abandonne. Tu te poses un peu? Ah. Bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens réveillés dans le chat là? Mettez plus un là, ceux qui sont encore activement réveillés et qui sont en lurk. Qu'est-ce qu'il y a? Desséché tel un os, dragon de malheur. Est-ce que ça vous plaît alors ce petit build d'ésotérisme sanglant là? Est-ce que vous trouvez ça fun?
Regardez, ça change un peu d'image pour le coup. Hein. Plus 0,5. C'est genre t'es dans ton lit sur le téléphone, Corlias, à moitié comme ça. Du coup, avec ton flou ésotérique, tu vas mieux résister à certains boss. Yes. Putain, on va voir un peu ce qu'elle donne sur le dragon. Je vérifie tellement tout ce que je vois. Attends, vous êtes vraiment plus que deux de réveillés là, Corlias. Ah non, trois, Corlias, Flo et Micron. Ah non, Pookie. Et donc dès que tu il faut que j'aille faire Fort Height, hein, c'est vrai. Ah, je pourrais peut-être faire la quête de Kenneth par contre. Like sur ce run là. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir, on va voir. Parce que c'est la quête de Néphilie. À Néphilie, je peux encore faire sa quête aussi. Est-ce qu'on tuerait pas vite le Grayol là? Ouais, c'est ça en fait. Elle s'est fait ravager par la putréfaction écarlate, hein, c'est tout la pauvre. Elle est vraiment immense. Hein. En même temps, on pourrait pas avoir un combat contre elle. En termes d'écran, ça serait un bordel. Pardon ?